Psaume 138, amen. On va attendre que tout le monde trouve. Amen. On va lire. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Amen. Alors, rarement on commence un culte en priant pour nos besoins. Amen. Mais ce psaume qu'on vient de lire, il nous montre la miséricorde de Dieu. Amen. Il nous montre que Dieu il ne va jamais nous abandonner. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter. On va commencer par remettre nos besoins dans les mains du Seigneur. Amen. Et si vous avez des charges, des angoisses, des tristesses ou même juste un besoin d'un travail, besoin d'être dans les études, besoin d'aide tout simplement. Donc aujourd'hui, on va déposer tout ça dans les mains du Seigneur et on va croire ce que le Seigneur nous dit. Amen. Ce psaume dit « L'Éternel agira en ma faveur. » Amen. Est-ce que vous les croyez ce soir? Amen. L'Éternel, il agit en notre faveur. Amen. Même quand nous, on ne le mérite pas. Parce qu'on est d'accord, on ne le mérite pas. Mais lui, par sa grâce, il répond à nos besoins. Amen. Donc si vous les croyez, je vous invite à lever une prière. Des remerciements d'abord, parce que si on est là, c'est pour lui. Et puis pour mettre tous nos besoins dans les mains du Seigneur. Amen. On va prier tous ensemble. Père éternel, Seigneur, en ce moment, mon Dieu, nos besoins, Seigneur, sont des mains de toi, Père éternel. Tu connais, Seigneur Jésus, chaque vie, Seigneur, de mes frères et sœurs qui sont ici, éternel. Tu connais chaque cœur, Seigneur, chaque pensée, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur, principalement. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie, Seigneur. Que tu renouvelles, Seigneur, notre esprit, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur, t'adorer et te glorifier, Seigneur, comme seulement toi tu le mérites, Père éternel. Brise, Seigneur, les chaînes ce soir, Père éternel, qu'on puisse te louer, Seigneur, et t'adorer avec la liberté, éternel, Seigneur. Nos besoins sont entre tes mains, Seigneur Jésus, et c'est plus nos inquiétudes, Seigneur, parce que c'est toi qui vas s'en charger, Seigneur, parce qu'on sait que tu ouvres un autre faveur, Père éternel. Oh Seigneur, les besoins de chacun de mes frères et sœurs sont entre tes mains, Seigneur. Ceux qui sont malades, guéris-les, Père éternel. Ceux qui sont à la maison, Seigneur, soigne-les, Père éternel. Ceux qui n'ont plus envie, Seigneur, de venir à l'église. Ceux qui sont éloignés de toi, Père éternel, je te prie, Seigneur, pour que tu touches le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons t'adorer et te louer avec liberté, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On va chanter ce chant qui dit « Ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. » Amen. Ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. Jésus, ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. Jésus, ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. Jésus, ma seule pensée, c'est toi, Seigneur. Car tu m'as donné la vie, car tu m'as donné l'amour, car tu m'as donné le salut et le pardon. Car tu m'as donné la vie, car
salut et le pardon. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, car tu m'as donné la vie, car tu m'as donné car tu m'as donné le salut et le pardon. La gloire te revient, toute reconnaissance t'appartient. La gloire te revient, toute reconnaissance t'appartient. En toute révérence, nous élevons nos voix pour ta adorer, Seigneur, la gloire te revient, toute reconnaissance t'appartient, la gloire te revient, toute reconnaissance t'appartient. En toute révérence, nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, oh agneau seul, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh agneau seul, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh conocimiento es para ti, la gloria es para ti, todo el reconocimiento es para ti.
Humildemente unimos nuestras voces para adorarte. Notre Dieu est digne. Amen. Il est digne de gloire et de louange. Amen. Amen. On va chanter ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Amen. Combien sont heureux ce soir? Amen. Parce que nous, les personnes qui ont décidé de donner la vie au Seigneur, nous sommes heureux. Amen. Par-dessus les circonstances, on peut être triste. Mais on a la joie dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ces chants. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Car notre Dieu est vainqueur. Car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Amen. Applaudissez le Seigneur, mes frères et sœurs. Je crois qu'il est digne, amen, de louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vous laisse en compagnie de notre pasteur. Aleluya, gloria al Señor. Amén. El Señor, bienvenido a tu presencia. Amén. Amén. Soy tu bienvenido. Amén. En este momento maravilloso, devant la presencia de nuestro Dios. Amén. 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 Aleluya. Es maravilloso porque nuestro Dios está aquí. Él está entre nosotros. Amén. Él ha prometido estar con nosotros. Et nous croyons qu'il est là. Amen. Voilà pourquoi nous l'adorons et nous glorifions son nom. Parce qu'il mérite la meilleure louange,
la mejor adoración. Amén. De mon cœur, je choisis de suivre Jésus. Amén. On va chanter ces louanges. Amén. C'est la meilleure décision. Amén. De suivre Jésus. Amén. 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 Je crois. Amén. Amén. Je vous invite, mes frères et sœurs, tous ensemble, on va lever la voix et on va louer le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a la liberté ce soir. Amen. Amen. On va battre nos mains. Amen. Amen. Que j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Je ne changerai jamais plus d'idée. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Je ne changerai jamais plus d'idée. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi dirai. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi dirai. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi dirai. Je ne changerai jamais plus d'idée. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je ne changerai jamais plus d'idée. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. J'avais plus d'idée. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi, j'irai. Je ne changerai jamais plus d'idée. Si mes amis ne viennent pas, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis ne viennent pas, alléluia. N'importe moi, j'irai, je ne changerai jamais plus d'idée. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je ne changerai jamais plus d'idée. Amen, acclamons le Seigneur, mes frères. Oh, aleluya, gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir et on va écouter le verset de la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est qui le premier? Amen. On va écouter le petit morceau de la parole du Seigneur. Amen. Je vous écoute. Amen. Amen, amen. Amen. Français, en espagnol. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para Amén. Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Quién es el otro? ¿Ah? Amén. O comencemos, esta es la palabra, y la palabra está avec Dieu, y la palabra está Dieu. Amén. Amén. Jean 1:1. Sœur Marie, Dieu vous bénisse. Amén. 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 Mateo, ¿tú? ¿Vos? ¿Ale? 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 Ah, tu l'as lié? Bon. Qui est mince? Qui d'autre? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Amén. ¿Alguien más? Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, ¿no hay más? ¿Es que tiene encore des versets? Recordemos la palabra. On va rappeler, on va se rappeler un peu de la parole. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Es hermoso poder recordar la palabra del Señor. De pouvoir se rappeler de la parole du Seigneur. Ella nos da fuerza cuando le necesitamos. Elle nous donne de la force quand on a besoin. Nos da la respuesta correcta. Nous donne la réponse correcte. Cuando necesitamos responder. Quand on a besoin de répondre. Amén. Amén. Y nos da las palabras precisas cuando necesitamos compartir con otro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abramos la Biblia. El Evangelio según San Mateo. Capítulo 8. Versículo 27. Matthieu 8, verset 27. Alléluia. Matthieu. Le livre de Matthieu. Capitulo 8, versículo chapitre 8, 27. Verset 27. Amen. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Ya lo han encontrado? Est-ce que vous l'avez trouvé? Bueno. Bon. Vamos a leerlo, leámoslo. On va le lire. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amén. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar, hermano. On va prier, mes frères. Pidiendo al Señor su bendición. On va demander au Seigneur sa bénédiction à travers sa parole. Señor, te damos gracias en esta Seigneur, noche, maravilloso soir, Salvador. Merveilleux Sauveur.
Por tu palabra santa, Señor. Por, ta sainte parole, por la autoridad que por ella tiene, Señor, là, para Señor, edificarnos. Pour edifier, pour nous para bendecirnos, Señor. Pour nous bénir, Señor. Oh Dios eterno, oh, gracias. Dieu éternel, merci. Porque tú nos hablas merci por medio de ella, Señor. La parole, recibimos Señor. Fuerza, nous recevons de la sabiduría, Señor, Señor de la sagesse, crecimiento, Señor, oh Dios. De la croissance, en esta noche, oh Dieu, Señor, te soir, pedimos Señor, que tú nos hables que toi, tu nous parles, y que nuestro corazón sea lleno, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, Señor, porque merci, tú estás Señor, en medio nuestro, Señor, en nous, tu nombre santo. Amén. Santo, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por este momento especial. On Señor por ce momento especial. En todo momento, nosotros adoramos al Señor. Nuestra vida cristiana notre vie chrétienne no es una vida de ocasiones. N'est pas une vie à des occasions. No es una vida de momentos. Ni de simples moments. Es una vida continua. C'est une vie qui continue. De una relación d'une relation completa con nuestro Dios. Complète avec notre Dieu. Amén. Es una vida c'est une vie conforme él así lo quiere. De la manière que lui il veut. Dios es Dieu un Dios que no cambia. Est un Dieu qui ne change pas. Su misericordia sa miséricorde es nueva cada mañana. Elle est nouvelle chaque matin. Y lo que él quiere de nosotros, que hermanos, lui, il veut de nous, mon frère, es que nuestra vida c'est que notre vie sea como la luz soit comme la de lumière un nuevo día. D'une nouvelle journée. Qui va de aumento en aumento. Qui augmente à chaque instant hasta que el día es que la journée perfecto soit parfaite. Amén. Amen. De esta manera, de cette manière, nosotros debemos vivir nous devons vivre en esa relación dans cette relation con nuestro Salvador avec notre Sauveur y Señor Jesucristo. Et notre Seigneur Jésus-Christ. Este pasaje que hemos leído, ce passage ici que nous venons de lire, es un pasaje muy conocido. Est un passage qui est très connu. Es el último versículo c'est le dernier verset de una narración corta que hay aquí en este capítulo 8, récit qui est court ici dans le chapitre 8, donde nos habla el Señor, où le Seigneur nous parle, con respecto a este milagro que él hizo, ce miracle que lui, il a fait, cuando él calmó la tempestad. Il a pu calmer la tempête. Amén. Amen. Y hay algo maravilloso en todo este capítulo, dans tout ce chapitre, capítulo 8, dans le chapitre numéro 8. Porque este capítulo 8, le chapitre numéro 8 Evangelio según San Mateo, de Matthieu, son como las credenciales, c'est un peu comme les croyances del reino, du royaume. Amén. Son las credenciales que Jesús presentó. Ce sont les croyances que le Seigneur a présenté. Siempre que uno escucha a un mandatario, à chaque fois que nous on écoute un mandataire, él representa a un país. Il représente un pays. Amén. Y él recibió una investidura. Et lui, donc, il reçoit una investidura, una autoridad. Une autorité. Amén. Amen. Para que sea reconocido como tal. Pour que lui il soit reconnu comme tel. Cierto. Y esa investidura, cette autorité, son el respaldo. C'est ce qui le soutient. Son las credenciales. C'est ce qui le soutient. C'est son ce qui la donne justement de l'identification. De lo que es él. De qui lui il est. Amén. Y aquí hay una pregunta en este versículo 27. Ici, il y a une question dans le verset 27. Cuando el Señor calmó la tempestad. Quand le Seigneur il a calmé la tempête. Y estaba allí con sus discípulos. Il était là avec ses disciples. Pero parece que mais on dirait, sus discípulos on dirait que ses disciples no habían comprendido muy bien n'avaient pas encore compris très bien quién era Jesús. Qui était Jésus. Aunque estaban con Jesús, même s'il était avec Jésus, caminaban con Jesús, ils marchaient avec Jésus, habían visto las obras ils avaient de Jesús, vu les œuvres de Jésus, parece que ellos on dirait que todavía necesitaban ils avaient encore besoin de un conocimiento d'une connaissance más especial, encore plus spécial, como dijéramos, más, comme on pourrait más fuerte, dire, más contundente, plus intense, por la pregunta que plus ellos convaincante, hicieron. Parce qu'on voit la question qu'ils ont posée. Porque ellos habían visto los milagros del ils Señor ont vu Jesús. Les miracles du Seigneur Jésus. En efecto, Jesús, en effet, Jésus, desde el momento que comenzó su ministerio, dès le moment où il a commencé son ministère, él comenzó il a commencé a hacer grandes maravillas a faire y de grandes merveilles et de miracles. Y los discípulos les disciples eran los seguidores de Jesús. Étaient ceux qui suivaient Jésus. Ellos veían
cómo el Señor Jesús. Et regardez de quelle manière hacía estos milagros. Il faisait tous ces miracles. Estas maravillas. Toutes ces merveilles. Cómo sanaba a los enfermos. De quelle manière il pouvait guérir les malades. Cómo daba libertad a los que estaban cautivos. Comment il donnait la liberté aux captifs. Y aquí. Et donc ici, en este pasaje, la Biblia dans ce nos passage, recuerda la Bible nous rappelle que Jesús iba con ellos que en Jésus, la barca. Il était avec eux sur le bateau. Y estando con ellos en la barca, et lorsqu'ils étaient avec eux sur le bateau, se levantó un gran viento. Il y a un grand vent qui se levait. Una tormenta. Il y a une tempête qui a commencé. Y Jesús dormía. Et Jésus dormait. Los discípulos le llamaron. Les disciples l'ont appelé. Y el Señor inmediatamente. Et le Seigneur immédiatement. Se levantó. Il s'est levé. Y ordenó, levantó et su voz. Il a levé sa voix. Y ordenó a la naturaleza. Il a donné un ordre à la nature. Para que se calmara. Pour qu'il se calme. Al viento y al mar. Au vent et à la mer. Lo llamó al silencio. Il a dit de faire silence. Con toda la autoridad. Avec toute l'autorité. Amén. Amen. Y allí estaba él demostrando. Et donc il était là en train de démontrer. ¿Quién era él? Qui lui était. Amén. ¿Quién qui era était él? Lui? Pero esos discípulos, donc, ces disciples, según la expresión de Jesús, avec l'expression de Jésus, eran discípulos que c'était des disciples necesitaban crecer qui avaient besoin en fe. De grandir avec la foi. Amén. El Señor le dijo, ¿por qué tienen miedo? Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi avez-vous hombres peur? Hombres de poca fe. Hommes de peu de foi. ¿Por qué? Amén. Pourquoi? Y entonces el Señor hizo este donc, gran milagro. Le Seigneur a fait ce grand miracle. Pero sus discípulos se mais hicieron una pregunta. Se sont posé une question. ¿Qué hombre es este? Qui est cet homme? ¿Qué hombre es qui este? Est cet homme? Que aún los vientos a qui obéissent y el mar le obedecen. Les vents et les mers. Amén. Amen. Y creo que et je pense que es una pregunta c'est une question que todos los discípulos que tous les del disciples Señor du Seigneur la debemos on tener doit, ya respondida. C'est une question que tous les disciples du Seigneur connaissent déjà la réponse. Amen. Amen. Porque estos eran discípulos parce de Jesús. Ils étaient des disciples de Jésus. Pero parece que no conocían mais on dirait la qu'ils ne connaissaient pas la profondeur. ¿Quién era él? De qui était vraiment lui. ¿Quién es este? Qui est celui-ci? Que aún los vientos qui obéissent y el mar les vents le et les mers. Yo creo que ellos ya habían moi, je visto pense qu'eux, ils avaient déjà vu la los milagros les miracles que el Señor Jesús que le Seigneur Jésus había hecho. Avait déjà fait. Y en efecto, el capítulo et en 8, effet, dans le chapitre numéro 8 nos habla de ello. Nous parle de ces miracles. Porque el versículo 1, parce que le verset numéro 1 dice, cuando dit, descendió Jesús del monte, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, le seguía mucha gente. Une grande foule le suivit. Dice, y aquí vino un leproso, et voici un lépreux y se postró ante él diciendo, s'est approché, se prosternant devant lui et, Señor, disait, et dit, Seigneur, si quieres puedes limpiar. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dice la Biblia, Jesús la Bible extendió dit la mano, que Jésus étendit la main, lo tocó, le toucha y le dijo, et dit, yo quiero, je le veux, sé limpio. Sois pur. Y al instante, aussitôt, ese hombre il fut purifié. Fue limpio. Aleluya. Amen. Allí estaban sus discípulos. Donc là, ses disciples, ils étaient là en train de regarder. Y estaban viendo esa et obra ils étaient poderosa en train de voir cette œuvre puissante. Lo que los judíos no hacían. Ce que les juifs, eux, ils ne faisaient pas. Tocar a un leproso. Ils ne touchaient pas un lépreux. Porque la ley los parce declaraba que la loi, inmundos. Sinon, ils allaient les considérer impurs. Jesús Jésus no tuvo en cuenta esto. Il n'a pas pris cela en compte. Y su amor, su et son amour et sa miséricorde fue más grande. A été encore plus grande. Y tocó a et este il est allé, leproso. Et il a touché ce lépreux. Pero Jesús no quedó mais Jésus, inmundo. Lui, il n'était pas impur. Porque Jesús parce que Jésus vino fue il a est venu limpiar justement pour nettoyer. Alléluia. Amen. Por su naturaleza. Par sa nature. Y tocó a este et hombre. Il a touché cet homme. Y este hombre et cet fue homme limpio. A été pur. El Señor le dijo, yo quiero le Seigneur lui a dit, moi je le veux que, tú seas limpio. Que toi tu sois pur. Y entonces et será alors, limpio. Tu vas être pur. Al instante la lepra desapareció. La lepra gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. Y hay una serie de milagros en este capítulo. Et il y a toute une série de miracles dans ce chapitre. Dice el versículo 5. Le verset numéro 5 dit. Entrando Jesús en Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Vino a él un centurión rogándole diciendo. Un centurión l'aborda. Señor, mi criado está enfermo. Le priant disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Gravemente atormentado. Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Y Jesús le dijo. Jésus lui dit. Yo iré. J'irai. Y le sanaré. Et je le guérirai. Yo iré. Moi y je le vais sanaré. Y aller et je vais le guérir. Este centurión.
Le centenier répondit. Tenía una fe tan grande. Il avait une foi aussi grande. Que le digo, Señor. Qui le dit, Seigneur. No tiene necesidad de ir a casa. T'as pas besoin d'aller jusqu'à la maison. Tan solo di la palabra. Tu n'as juste qu'à dire le mot. Y mi criado será sano. Et mon serviteur va être guéri. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. Tan solo di la palabra. Seulement dis un mot. Y mi criado. Et mon serviteur sera sano. Guéri. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Et savez-vous ce que le Seigneur a dit? Hombre, tu fue es grande. Tu as une grande foi. Ni aun en Israel. Même en Israël. He hallado tanta fe. J'ai trouvé une foi aussi grande. Amen. Y creo que et moi, je el pense desarrollo que del capítulo le développement de ce chapitre nos va a nosotros llamando la va atención. Justement nous appeler, nous attirer l'attention. Para que cada día nuestra pour que fe chaque jour notre foi sea una fe soit une que foi crece qui puisse grandir en esa relación dans cette relation de conocer de connaître verdaderamente véritablement quién es Jesucristo qui est Jésus-Christ para nosotros. Pour nous. Amén. ¿Quién es qui est, él qui est lui para nosotros? Pour nous. Porque el parce centurión no era un judío. Le centurion n'était pas un juif. Era un centurión romano. C'était un soldat romain. Y el Señor le dijo, et le Seigneur lui a ni dit, siquiera en el pueblo mío, même en Israel, dans mon peuple, à Israël, he encontrado j'ai trouvé tanta fe. Autant de foi. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. Ni siquiera en Israel he hallado même tanta fe. En Israël, j'ai trouvé y entonces el Señor le dijo alors, a este le Seigneur centurión, a dit à ce centurion, le dijo, ve. Va. Y como creíste, et comme tu as cru, te sea hecho. Cela va être fait. Amén. Luego vienen otros milagros. Ensuite, il y a d'autres miracles qui, hay una narración sucesiva de milagros. De miracles. O sea que sus discípulos, c'est-à-dire que leurs disciples habían visto quién era él. Avaient vu qui était lui. Pero aun cuando calma la tempestad, mais même lorsqu'il calme la tempête, ellos todavía se hacen la pregunta. Ils étaient là encore en train de se poser la question. ¿Quién es este? Qui est que aún el viento y el mar le vent et la le mer obedecen. Obéissent. Necesitaban conocer ils avaient besoin de connaître. El versículo 14, le verset numéro 14 nos dice que Jesús nous dit que Jésus llegó a la casa de Pedro, se rendit ensuite à la maison de Pierre y la suegra de Pedro estaba enferma, dont il vit la belle-mère couchée y dice et que estaba fièvre. Allí en una cama couché. Y Jesús se acercó et Jésus s'est approché, tocó su mano et toucha sa main. Y la fiebre, et la fiebre la dejó. La quitta. Ella fue sana en ese instante. Elle était guérie à ce moment-là. Tanto que se levantó. Tellement qu'elle s'est levée. Y dice la Biblia que la Bible les servía. Qui le servait. Cuando llegó la noche. Lorsque le soir est arrivé. Trajeron a Jesús. On amena auprès de Jésus. Muchos endemoniados. Plusieurs démoniaques. Y con la palabra. Et avec la parole. Echó fuera a los demonios. Il chassa les esprits. Y sanó. Et il guérit. Todos los enfermos. Tous les malades. Amén. Todos esos milagros tous ces miracles han sido narrados allí ont été justement dit de manera sucesiva, d'une manière successive para llegar pour arriver a este milagro à ce miracle donde Jesús où Jésus calma la tempestad, il calme la tempête y donde sus discípulos, et où ses disciples que han visto las obras del Señor, les œuvres de Jésus se hacen esta pregunta, se posent cette question. ¿Quién es este? Quel est celui-ci que aún los vientos a qui obéissent y el mar même le les vents et la mer. Ya Jesús Jésus les había demostrado leur avait déjà démontré su poder, son pouvoir. Había mostrado sus credenciales. Il a déjà montré son autorité. Le demostró su poder. Il a montré son pouvoir sobre la enfermedad. Sur la maladie. Les demostró le su poder. Son pouvoir aussi, sa puissance sobre los demonios. Sur les démons. Y calmando la tempestad. Et en calmant la tempête aussi. Le demostró su il poder. Il a démontré sa puissance sobre la naturaleza. Sur la nature. Entonces, ¿quién es este? Alors qui est cet homme? Que aún el viento que même le vent y el mar et la mer le obedecen. Lui obéissent. Es importante, amados c'est important, hermanos, mon frère, que nosotros que nous, cada día tengamos esa chaque certeza jour, on puisse avoir cette certitude de quién es él. De qui il est. No es que no le conozcamos. C'est pas que nous on le connaît pas. Es que necesitamos c'est que nous, on a besoin de le connaître encore plus. No es que no creamos en él. C'est pas qu'on croit pas en lui. Es que necesitamos c'est que nous avons creer besoin más de croire en encore plus en lui. Amén. Amen. Tener la fe del centurión. Avoir la foi du centenier. Señor, tan solo Seigneur, di la palabra. Juste dis le mot. Saber que juste basta mot, la palabra de Dios. De savoir que juste suffit para que le mot du Seigneur hecho pour que le miracle soit el fait. Poder a nuestro favor. Gloria al nombre del Gloire Señor. Au nom du Seigneur. Nosotros recordamos nous, on se rappelle cómo Jesús de quelle manière Jésus estableció un diálogo il a établi un dialogue con la mujer samaritana. Avec la femme samaritaine.
Ese diálogo es extraordinario. Ce dialogue-là, il est extraordinaire. Es una historia. C'est une histoire. Llena de sucesos hermosos. Remplie de faits merveilleux. Llena de fe. Remplie de foi. Es una historia que c'est nos alienta a nous nosotros. Donne vie à nous. Por la manera en que se desarrolla. Par la manière qu'elle se développe. Ese encuentro con Jesús cette rencontre y la avec mujer Jésus samaritana. Et avec la femme samaritaine. Y también por la manera. Et aussi par la manière. En que esta mujer. Que cette femme. De manera progresiva. De manière progressive. Va conociendo. Connaît. Quién es qui Jesús. Est Jésus. Aleluya. ¿Dónde se encuentra esa historia? Où est-ce que cette histoire se rencontre? Juan capítulo 4. Dans Jean chapitre 4. Miremos algunos détails. On va voir quelques détails. Que nos llevan qui vont nous mener a mirar cómo es la manera, a regarder cómo es la manera que Dios quiere que le conozcamos, que Jesús veut qu'on le connaisse, y que nos lleva a disfrutar de este pasaje, a profiter de ce passage, para aplicarlo también a nuestra vida. A notre vie. No me canso yo de cada vez que llego a este pasaje, je ne me fatigue jamais de, à chaque fois que j'arrive dans ce passage, de repetir lo mismo, de répéter la même chose, porque es el mismo mensaje, parce que c'est le même message, no cambia, il ne change pas, y cada vez que nosotros que lo nous, escuchamos, on l'écoute, creo que, je crois que debemos llenar nuestro corazón, on doit remplir nos cœurs, de ese deseo sincero, de ce désir aussi sincère, de conocerle a él, de lui connaître, cada lui, vez más, chaque fois de plus en plus. Gloria al nombre del Señor, gloire au nom du Seigneur. Nosotros, nous, miramos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, chapitre 4, cómo de quelle manière Jesús se encontró Jésus con esta se mujer, trouvé avec cette femme. Dice la Biblia en la el Bible versículo, nous dit dans le verset numéro, versículos. On va lire à partir du premier verset. Cuando Jesús, el Señor, quand le Seigneur entendió que Jésus, los fariseos, il a compris que les pharisiens habían oído decir, avaient appris Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, baptiser plus de disciples que Jean. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même. Dice, salió de Judea, alors il quitta la Judée y se fue otra vez a Galilea, et retourna en Galilée. Y dice el versículo 4, le verset numéro 4 y dit, le era necesario, comme il fallait qu'il passe, pasar por Samaria, par la Samarie, era necesario, il dice était, la il Biblia, était nécessaire, il fallait. Y dice que vino a una ciudad de Samaria, de esta et región donc, de Samaria. La Bible dit que, qu'il arriva d'une ville de Samarie. Dice, esta ciudad se llamaba Sicar, nommé Sicar. Y dice que allí, il dit que là, estaba junto a la heredad que Jacob, près du champ que Jacob José, avait donné à Joseph. Estaba allí el pozo de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, Jésus, fatigué du voyage, se sentó junto al pozo, était assis au bord du puits. Y era como el mediodía. Et c'était environ la sixième heure, midi. Era el mediodía. C'était midi. Le era necesario a Jesús pasar donc, por il Samaria, fallait que Jésus passe par la Samarie. Porque él parce iba que en lui, busca il était justement en train de rechercher de una mujer, d'une femme a la cual aquí iba a hacer el milagro más il grande, faire le plus grand miracle, el de la salvación, celui du salut. Entonces Jesús, alors Jésus, se sentó allí, il se leva, y llegó esta mujer samaritana, cette femme samaritaine là est arrivée, a sacar agua, pour puiser de l'eau, y Jesús, et Jésus, con una petición, avec une pétition, comienza a hablar con commence ella, à parler avec elle. La petición de Jesús, la petition de Jésus fue mujer, femme, dame de beber. Donne-moi à boire. Y entonces, alors, comienza el diálogo. Y a le dialogue qui que commence. En principio no es un diálogo que muy cordial. En commencement, c'était pas un dialogue cordial. Porque la Biblia nos parce muestra que la Bible aquí nous montre ici ciertos detalles. Quelques détails. La mujer le dice. La femme lui dit. Usted es un atrevido. Mais toi, tu es osé. ¿Cómo usted siendo judío? ¿Cómo oses toi qui es juif? Me pide a mí agua. Me demandes-tu à boire? Si yo soy samaritana. À moi qui suis une femme samaritaine. Y los judíos. Et les juifs. Y los samaritanos. Et les samaritains. Gracias. No tenemos comunión. On n'a pas de communion entre nous. Amén. Los judíos y los samaritanos. Les juifs et les samaritains. No tenemos comunión. N'ont pas de communion. ¿Cómo me pides a mí de beber? Comment me demandes-tu à boire? Pero el Señor, mais le Seigneur, comienza a hablar con ella. Il commence à parler avec elle. Dice, mujer, si tú conocieras, dit, Seigneur, si toi tu connais el don de Dios, le don de Dieu, tú le pedirías, toi tu le demanderais, y él te daría, et toi tu le donnerais, agua viva, à boire. Y allí continúa desarrollándose
esta comunicación. Le dialogue continue à se développer. La mujer le dice, tú, ¿y cómo te pido yo a ti agua? ¿Cómo es que yo te demande de l'eau? Tú no tienes con qué sacarla. Toi, tu n'as pas avec quoi la puiser. El pozo es hondo. Le puits, il est profond. Bueno, y la mujer hizo un poco de análisis. La femme lui a posé beaucoup de questions. Para decirle a Jesús. Pour dire à Jésus. Tú no tienes toi, tu n'as pas cómo hacer algo a mi cómo favor. Es que toi, tu peux faire quelque chose dans ma faveur. Porque a veces parce que beaucoup de pensamos fois, que, el nous, Señor, on pense que le Seigneur como que no actúa a nuestro il n'agit pas dans notre faveur. Como que no hay manera de qu'il n'y a pas une manière que lui il agit dans notre faveur. Eso está en el plano humano. Là, c'est solamente dans le plan humain seulement. Amen. Amen. Por eso los discípulos no comprendían ils ne comprenaient pas quién era Jesús. Qui était Jésus, que aún el viento que même le vent y el mar et la mer le obedecían. Lui obéissent. No habían comprendido ils n'avaient pas compris encore que él era el Dios lui, todopoderoso. Amén. Que él era el Dios lui, il était le Dieu del principio, du commencement, del que creó los cielos celui qui a fait les y la tierra, la terre, del que por su celui palabra qui, par sa parole, separó el agua, l'eau s'est calmée, extendió los cielos, il a étendu les cieux, formó las grandes lumbreras, il a formé les étoiles. No lo habían comprendido. Ils n'avaient pas compris. Pero esta mujer mais cette femme, entonces comienza alors, commence, o continúa con estos argumentos continue avec ses arguments, y el Señor le dice et le Seigneur lui dit, mire cualquiera que beba de esta agua peu importe, volverá a tener sed qui va boire de ce puits, pero el aura que soif, tome del agua que celui yo le daré qui va boire de l'eau que je vais lui donner, no tendrá sed n'aura plus jamais jamás. Soif. Aleluya. Amen. No volverá a tener sed. Il n'aura plus jamais soif. Y esto ceci, a la mujer le fue entrando a su corazón. Donc, ces paroles-là ont entré dans le cœur de la femme. Y esta mujer comienza cette femme a commence comprender donc à comprendre que no está hablando qu'il n'était pas en train de parler con un personaje común y corriente de la región. Comme tout le monde. Ella de la comienza région. A entender là, elle comprend donc que Jesús que Jésus es un personaje est un personnage spécial. Pero ella todavía no sabe quién es. Mais elle n'a pas encore compris qui c'est lui. Y entonces et alors, le dice a Jesús, elle dit à Jésus, oye, me parece que tú il eres me semble profeta. Que toi tu es prophète. Me parece que eres profeta. Je crois que tu es prophète. Eso es lo que ella le dice. C'est según lo vemos dit, en la palabra del Señor, la parole du Seigneur, en el versículo 19. Dans le verset numéro 19. Dice, me parece, Señor, crois-moi, me parece que eres profeta. Je vois que tu es prophète. Amen. Amen. ¿Y por qué? Porque Jesús pourquoi? Parce que Jésus comenzó il commence a hablar con ella, a parler avec elle. Y cada palabra et chaque de Jesús mot de Jésus la dejaba en descubierto elle était là a justement, ella. Lui toucher. Y esa palabra et ce mot tocaba su corazón touchait son cœur y sentía esa mujer elle sentit cette femme que no eran simples palabras sentait que c'était pas de simples paroles sino de simples que mots, eran palabras mais de des autoridad mots d'autorité. Eran palabras c'était des mots que tenían poder qui avaient de la puissance eran palabras c'était que cuestionaban aún su qui, vida questionnaient sa vie y ella dice Señor et il dit Seigneur me parece que eres profeta je vois que tu es prophète amen me parece que eres profeta je vois que tu es prophète. Y entonces et alors, el Señor sigue hablando con ella. Le Seigneur continue à parler avec elle. Luego ensuite, dice el versículo 24 que le Jesús 24 le dijo lui dit, Dios es espíritu. Dieu est esprit. Y los que adoran et il faut que ceux qui l'adorent, en espíritu y en verdad l'adore, es necesario en esprit, en que adoren. Y luego ella le dice, Señor, ensuite, elle lui dit, Seigneur, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Je sais que le Messie doit venir a appeler le Christ. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Y Jesús le dijo, Jésus lui dit, yo soy je le suis el que habla contigo. Moi qui te parle. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo soy je le el suis que habla moi contigo. Qui te parle. Ya la mujer está entrando a otro nivel. Donc là, la femme, elle commence à entrer dans un autre no niveau. Es el profeta. Ce n'est plus le prophète. Ya no, Jesús maintenant, no es un profeta. Maintenant, c'est pas Jésus le prophète. Es más que un c'est plus profeta. Qu'un prophète. Para muchos Jesús es un profeta. Pour beaucoup Jésus est un prophète. Amén. Amen. En las grandes religiones del dans mundo. Les grandes religions du monde. Jesús ocupa Jésus esa Jésus posición. Occupe cette position. Pero no es más que mais, eso. Mais c'est tout, c'est juste un prophète. Profeta. Juste un seul prophète. Sí, los profetas. Oui, c'est vrai. Que Dios envió. Les prophètes que Dieu a envoyés. Fueron hombres usados ont été por des, Dios. Des hommes qui ont été utilisés par Dieu. Fueron portavoces ce sont des, de la palabra. Des parleurs.
y del de propósito de Dios. Et du propos de Dieu. Pero esos fueron mais c'est ça, profetas c'est que murieron, des prophètes qui sont morts, que dejaron mensajes qui ont a Israel, un message à Israël, que dejaron mensajes qui ont donné para un message aux hommes. Pero fueron seres humanos c'était des êtres que Dios usó que Dieu a utilisé y que murieron. Et que maintenant ils sont Jesucristo morts. Es más Jesucristo que un profeta. Il est beaucoup plus qu'un prophète. Aleluya. Amen. Jesucristo Jesús Cristo es más il est beaucoup plus qu'un prophète. Es más que un ser humano qu'un être humain que estuvo en la tierra qui a été sur terre para dejarnos pour un laisser un message. Jesucristo es más que eso il est beaucoup plus que cela pour nous. Gloria al nombre Gloire del Señor. Du Seigneur. Ya esta mujer maintenant, cette femme, le pregunta a Jesús y le dice, il demande au Seigneur, ha de venir Jesús, el Mesías, le Messie doit venir, el Cristo. Le Christ. Y dice, y cuando Él venga nos declarará todas va, las cosas. Et lorsqu'il sera là, il va nous annoncer toutes choses. Y entonces el Señor se presenta. Alors le Seigneur se présente. Y le dice, yo soy. Je le suis. El que habla moi, contigo. Qui te parle. Y fue tan grande la revelación, la revelación de esa mujer était si grande de cette en ese femme, momento à ce moment, que ella olvidó qu'il a oublié la tarea que iba a hacer. La tâche qu'il devait faire. Ella olvidó que iba a recoger agua en ese pozo. Pour puiser de l'eau du puits. Y dice la palabra alors del la Señor parole du Seigneur nous dit que esta mujer que cette femme dejó allí su cántaro elle a laissé là sa cruche y se fue a la ciudad. Elle est partie de la ville. Y habló allí a los elle hombres a dit de la ciudad gens, aux hommes de la, y de la les ville, dijo, et lui vengan. A dit, venez voir y vean a un hombre, un homme que me ha dicho qui m'a dit todo cuanto tout he ce hecho. Que j'ai fait. Y aquí là, ella ya tiene una il pregunta a une question qui que va está poser, en otro nivel, en otra dans dimension. Autre niveau, dans une autre dimension no será ne este el Cristo. Lui, le Christ. Yo debo saber moi, je dois savoir qué significa verdaderamente Jesús moi, para Jesús. Mí. Amén. ¿Qué significa qu'est-ce para que veut mí? Dire pour moi, Jesús? ¿No será este el Cristo? Ce n'est pas lui, le Christ. Oiga, y con tal convicción esta mujer hizo esta pregunta avec une, beaucoup de conviction. Que los hombres de la ciudad que les hommes de la ville se fueron en busca ils sont partis justement de Jesús pour rechercher Jésus y fueron a hablar et con ont él. Été parlé avec lui y entonces et alors, dice la Biblia la Bible dit que muchos versículo 39, verset numéro 39 muchos de los samaritanos de aquella ciudad de cette ville creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer de cette que daba testimonio diciendo, de la femme. Me dijo todo lo que he hecho. Tout ce que j'ai fait. Y mira el versículo 42. Et regardez le verset numéro 42. Y decían a la mujer, et il disait à la femme, ya no creemos ce n'est plus solamente por tu dicho, à cause de ce que tu as dit porque que nosotros nous croyons, mismos car nous l'avons hemos oído entendu nous-mêmes y sabemos, et nous hermanos, savons, frère, aquí ya no era ici, solo maintenant, creer, ce n'est pas seulement croire, era saber, c'est aussi de savoir. Y sabemos, et nous savons, ya ellos tenían maintenant, una seguridad. Ils avaient déjà une certitude. O sea, Jesús c'est-à-dire había que hecho Jesús, una obra poderosa en œuvre, en eux. Para conocerle pour quién le era connaître él. Qui était lui. Ya no decían, ¿quién es este? Ils ne disaient plus, qui est celui-ci? Ya la pregunta no será la este parole, Cristo. Ce n'est pas, ce n'est pas lui, le Christ. No, ya hay una non, seguridad. Il a une assurance. Hermanos, y lo frère, contradictorio et ce qui est contradictoire y lo ici, que nos deja a nosotros la ce enseñanza qui nous laisse un enseignement, es que estos no eran judíos. C'est qu'ils n'étaient pas juifs. Estos eran samaritanos. Ils étaient samaritains. Y cuando se compara el compare, milagro le miracle, donde Jesús calma la tempestad, Jésus, calme la tempête, le anteceden el milagro avant cela, y de le la miracle, sanación de, la guérison de un hombre d'un homme no judío. Qui n'était pas juif. La reflexión y el llamado es a nosotros envers nous, para que los que hemos creído en nous, él qui avons cru en lui, cada día chaque jour, le conozcamos nous puissons más le connaître encore plus, y no caigamos et qu'on ne tombe en pas la incredulidad. Dans l'incrédulité. Ahí hay un gran mensaje. Là, il a un grand message. Y aunque son dos pasajes, si ce sont deux passages diferentes, différents, el mensaje le message es el mismo. Est le même. Para que nuestra fe pour no menguen. Foi, ne s'abaisse pas. Amén. Amen. Entonces, ellos, estos hombres, están alors, diciendo, ces hommes-là sont en train de nosotros dire, mismos hemos oído. Nous-mêmes, nous avons entendu. Y sabemos et nous savons que verdaderamente qu'il est vraiment este es qu'il est vraiment el Salvador le Sauveur del mundo, du monde. El Cristo. Le Christ. Aleluya. Nosotros mismos
Nous-mêmes, hemos oído, nous avons entendu, y sabemos, et nous savons que este que lui, es verdaderamente el Salvador del le mundo. Christ, le Sauveur el Christ. Du monde. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. La Biblia tiene varios ejemplos. La Bible a beaucoup d'exemples. Donde nosotros podemos ver nous, cómo on peut voir de quelle manière hombres que vivieron des hommes al lado de Jesús qui ont vécu à côté de Jésus, no le habían reconocido como lo que verdaderamente era. Comme il était vraiment. Sus discípulos, ses disciples, se preguntan quién es él. Se posaient cette question, qui était lui? Pero los samaritanos dijeron, este es el Salvador del mundo. Mais les samaritains ont dit lui, il est le sauveur du monde. Pero el centurión romano, le centurion digo, no, romain dit, tu palabra es la palabra creadora. Non, ta parole est la parole créatrice. Es la palabra sanadora. Es la parole qui guérit. Es la palabra que liberta. Es la parole qui rend libre. Solamente di la palabra. Juste dis le mot. Aleluya. Hay una contradicción, il y a une contradiction entre la fe del que conoce a Jesús de celui qui connaît Jésus y del que no le conoce. Et de celui qui le connaît pas. Es por eso el consejo de la palabra de la parole du Seigneur. Hay un hombre il que nosotros también conocemos que nous connaissons aussi, y se llama Tomás. Il s'appelle Thomas. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan. Dans l'évangile busquemos San de Juan Jean. Capítulo 20, mis amados on, hermanos. On va chercher Jean chapitre 20, mes frères aimés. Evangelio según Juan. L'évangile selon Juan. Capítulo selon Jean, 20. Chapitre 20. Mire, miremos el versículo 24. On va lire le verset numéro 24. Dice, pero Tomás, Thomas, uno de los doce llamado Dídimo, l'un des douze appelé Didymo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. N'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Es decir, después de la resurrección. C'est-à-dire après de la résurrection. Le dijeron pues los otros discípulos. Les autres disciples dirent donc. Al Señor hemos visto. Nous avons vu le Seigneur. Él les dijo, mais il leur dit, si no viere si en je sus manos dans sa main, la señal de los clavos, la marque des clous, y metiere mi dedo en si el lugar de los clavos, mon doigt dans la marque des clous, y metiere mi mano en su et costado, si je mets ma main dans sa côte, ¿qué dijo un seguidor de Jesús? Il a dit un suiveur de ce serviteur ce no suiveur créerai. De Jésus, je ne croirai hein? Point. ¿Y era un seguidor de Jesús Tomás, sí o no? Et Thomas lui il suivait Jésus, oui ou non? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Pour nous, qui est Jésus? ¿Quién era Jesús para él? Qui était Jésus pour lui? Que Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Que au troisième jour, il allait ressusciter. Luego los otros discípulos ensuite, les autres disciples lo vieron resucitado. L'ont vu. Tomás no estaba. Thomas n'était pas là. Pero Tomás, mais Thomas pone su fe. Il a mis sa foi. No en esa fe espiritual. Pas dans cette foi spirituelle. No en esa fe pas alta. Pas dans cette foi qui est sino grande. Sino que es una fe natural. C'est une foi naturelle. Si hasta no tocar y no ver. Je ne touche pas et je ne vois no pas. Creer. Je ne vais pas croire. Pero la verdadera fe. La véritable foi. No es de esa manera. Ce n'est pas de cette manière-là. Si nosotros queremos. Si nous, on veut. Ver, voir, necesitamos avant, creer. Nous avons besoin de croire. Es al contrario en c'est este camino. Le contraire de ce chemin. No es creer para ver. Pas croire pour eso voir. Fue lo que dijo Tomás. C'est ce que Thomas dit. Ah, perdona, hasta non, que no vea, no creo. Que je ne vois pas, je ne crois no pas. Es ver para creer. Ce n'est pas voir pour croire. Es creer c'est croire para llegar a ver. Pour voir. Pero voir. Tomás dijo, ah, resucitó. Thomas a dit, ah, il est ressuscité. Está interesante ah, la noticia. C'est intéressant. Pero de mi parte. Mais moi, de mon côté. Mire cómo él es de específico. Regardez comment lui il a spécifié. Porque él parce que lui, está diciendo si no viene en sus manos il a dit, si je ne vois pas dans la ses mains, señal de los clavos la marque des clous, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos dans sa côte, y metiere mi mano en su costado dans sa no côte, creeré je ne crois pas. Oiga, así serían de grandes las heridas del Señor. Parce que les blessures du Seigneur étaient si grandes. Si no pongo mi dedo si je ne mets pas en el lugar de los clavos là, dans la marque no des clous, je ne peux pas croire. Y si no me meto, si no meto mi mano en el costado, mamá, dans sa côte, no creeré. Je ne croirai pas. Pero miremos, sigamos leyendo. Mais on va continuer à lire. Versículo 26. Versículo 26. Ocho días después, 8 jours après, estaban otra vez sus discípulos dentro.
Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Jésus vint, les portes étaient fermées. Se puso en medio y les dijo. Se présentant au milieu d'eux. Paz a vosotros. Et dit, la paix soit avec vous. Y a quién miró Jesús? Puis il dit à Thomas. A Tomás. 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 Ven aquí. Avance ici. Y entonces el Señor le dice, pon aquí tu dedo. Le Seigneur lui dit, avance ici ton doigt. ¿Qué le mostró el Señor? Qu'est-ce que le Seigneur lui a démontré? Las heridas de los clavos. Les blessures des clous. Pon aquí tu dedo. Avance ici ton doigt. Mira mis manos. Et regarde mes mains. Y le digo al Señor. Et le Seigneur lui a dit. Y acerca tu mano. Et avance aussi ta main. Ahí estaba esa herida. Et là il y avait la blessure. Acerca tu mano. Avance aussi ta main. Y métela en mi costado. Et mets-la dans ton, dans mon côté. Y no seas incrédulo, incrédulo, sino creyente. Hermanos, y hasta ese momento, Tomás, Tomás comienza a reflexionar y a reconocer y a reconocer quién es Jesús para Jesús él. Para ¿cuál es la expresión siguiente? ¿Qué le dijo Tomás? Mírelo, aquí Tomás está. Dit, regardez, c'est écrit ici. Tomás, Tomás le dijo, le lui respondió, répondit, lui répondit, Señor mío, mon Seigneur, y mon Dios mío. Son dos palabras que definen claramente quién es Jesús. Qui est Jésus. Amén. Amén, amén. Para llamarlo Señor, pour l'appeler Seigneur, hay que reconocerlo il faut como reconnaître Dios. Autant que nadie Dieu. Llama a Jesús personne Señor. Seigneur à Jésus, sino por el Espíritu. Si ce n'est pas par l'esprit. Nadie llama personne a Jesús Señor. A Jesús Señor. Si no reconoce, si ne reconnaît pas su deidad. Sa divinité. Nadie llama a personne Jesús appelle Jésus Seigneur. Si no reconoce si il ne reconnaît que pas él es soberano. Que lui, il est souverain. Nadie personne llama a Jesús Jésus Señor. Si no le si reconoce il ne reconnaît pas. Como el único autant que Dios, que l'unique Dieu, créateur y le créateur et le sauveur. Gloria al nombre gloire de à Dieu. Señor. Amen. Esa expresión de Tomás. Cette expression de Thomas. Es extraordinaria. Est extraordinaire. Tomás le respondió Thomas y le dijo. Tomás lui a dit. Señor mío. Mon Seigneur. Y Dios mon mío. Dieu. Y aún así el Señor le tuvo que même hacer Jesus la observación. Lui a dit, porque me has visto Tomás. Parce que tu m'as vu. Por eso creíste. C'est pour ça que tu as cru. Pero aquí viene para heureux. Nosotros maintenant, esta palabra. Y a cette parole là que Jésus va dire qui est pour bienaventurados. Nous. Heureux. Los que no vieron ceux qui n'ont pas vu y creyeron. Et qui ont cru. Esos somos nosotros, hermanos. C'est nous, mes frères. Esos somos nosotros. C'est nous. Pero se necesita que mais cada día nosotros que chaque jour, desarrollemos nous, on puisse développer esa capacidad cette capacité de entender de comprendre quién qui es nuestro Dios. Notre Dieu. Quién es Jesús Jésus para nosotros. Pour nous. Para el pueblo de Nazaret. Pour le peuple de Nazaret. Jesús fue simplemente Jésus el hijo del carpintero. A été juste le fils du charpentier. Es más, de Nazaret no puede salir nada bueno, decían algunos. Y a rien qui sort de bon. Certains disaient. Ellos dijeron, este es el hijo del carpintero. Ah, lui, il est juste le fils luego du, no se llama du, su padre José. Du charpentier. C'est pas le fils de Joseph. Sus hermanos no se llaman fulano, fulano, fulano. Ses frères s'appellent comme ça et comme y ça. Y lo decían así. Et ils disaient comme ça. Para nosotros, pour nous, Jesús Jésus es más que el hijo del carpintero. Il est plus que le fils du charpentier. Es más que un profeta, aunque fue un profeta. Pero Jesús es más que un profeta. Gloria a Dios. Gloire para a Dieu. Nosotros Jesús es el camino. Pour nous, Jésus, il est le chemin. Para nosotros pour nous, Jesús Jésus, es la salvación. Il est le salut. Para nosotros nous, Jésus, Jesús es el agua que calma la sed. Qui va calmer para la nosotros soif. Pour Jesús Jésus, es nuestra esperanza. Il est notre espoir. Para nosotros pour nous, Jesús, Jesús es nuestro reposo. Il est notre repos. Para nosotros, pour nous, Jesús Jésus, es nuestro escudo protector. Il est notre bouclier protecteur. Para nosotros, pour nous, Jesús, Jésus es el que vendrá il est y celui nos qui va venir et qui va nous sauver. Béni soit le nom Señor. Du Seigneur. Para nosotros, pour nous, Jesús Jésus es el buen pastor. Il est le bon berger. Para nosotros, pour Jesús nous, Jésus es el león de il est la tribu le de lion Judá. De la tribu de Judá. Para nosotros, pour nous, Jesús Jésus es el que venció il est celui a la muerte. Qui a vaincu la mort. Para nosotros, pour Jesús nous, Jésus es el que derrotó c'est las tinieblas. Qui a vaincu les ténèbres. Para nosotros, pour Jesús nous, Jésus es nuestro Padre il est notre Père céleste. Para nosotros Jesús pour nous, Jésus, amen. Es el aire que respiramos. C'est l'air que nous respirons. Hermanos ouais. Amados, que cada día que chaque jour, esa relación, cette relation con nuestro Dios avec notre Dieu sea tan especial, soit si spécial, que tengamos una seguridad que nous puissions completa avoir une sécurité entière. Y no dudemos et on, et de, quién ne pas douter verdaderamente qui est es vraiment Jésus. Él.
que cada muestra de su gloria nos lleve a tener esa completa seguridad. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Les vents et la mer lui no habían comprendido. N'avaient pas encore compris. Muy bien, ¿quién Très era bien, Jesús? Qui était Jésus. Amén. Amén. El mismo Señor, le Señor lui-même, se muestra como Dios. S'est montré autant que Dieu. En el Evangelio según San Juan. Dans l'Évangile selon Jean. La palabra del Señor nos muestra durante Seigneur todo este Evangelio. Dans tout cet Évangile. Cómo Él se hizo carne. Lui, il s'est fait chair. Y como Él es que lui, el Dios. Il est le Dieu todopoderoso. Tout puissant. Gloria al nombre del Señor. Gloire au nom du Seigneur. Que nosotros que nous, haya esa seguridad. Il peut avoir cette sécurité. Porque eso es lo que nos va a sostener Porque en la vida qui cristiana. Va nous soutenir dans la vie chrétienne. Saber quién es Él. De savoir qui lui Pero est. ¿Quién es Él para, Mais, para el mundo entero? Qui est pour non. Le monde entier? ¿Quién non. Es Él para qui nosotros? Est lui pour nous? ¿Quién es Él para qui las religiones? Pour les religions? Non. Non. ¿Quién es qui Él est lui para mí? Pour moi. Eso va a determinar cela mi va déterminer relación ma relation avec lui. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Estemos de pie, On va se mettre por favor, debout, s'il vous plaît. Mis amados hermanos. Y vamos a darle gracias Nous al le remercier, Señor. Porque Él Parce que lui, ha sido el Dios que se ha querido mostrar al hombre. Se montrer à l'homme. Él no ha querido estar oculto. Il n'a pas voulu être caché. Él siempre ha estado Il a toujours été revelando en train de quién révéler es Él. Qui lui il est. En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, de una manera progresiva, d'une manière progressive, se fue revelando, se fue revelando. Il était là entre, il se révélait de plus en plus. Pero en el Nuevo Testamento, Mais dans le Nouveau Testament, encontramos la révélation on trouve la révélation complète de, lo que es de qui él. Lui il est. Su nombre no fue conocido, Son nom n'a pas été connu. Ni dado a conocer on l'a pas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Mais dans le Nouveau Testament, Dios Dieu se dio a conocer il s'est fait connaître con ese nombre extraordinario. Avec ce nom extraordinaire. Y llamará su nombre et Jesús. Il appellera son nom porque Él Jésus, parce que lui salvará il sauvera a su pueblo le monde de sus pecados. De ses péchés. ¿Qué le quieres ofrecer a Él? Que voulez-vous lui offrir? Hagamos esta oración. On va faire cette prière. Pero haz esta oración. Mais fais cette prière. Desde el fondo de tu corazón. Depuis le plus profond de ton cœur. Para él. Pour lui. Reconociendo lo que es. En train de le reconnaître qui lui il est pour toi. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Para mí tú eres pour moi, toi, el Salvador. Tu es le Sauveur. No solo del mundo. Pas seulement du el Salvador de mi alma, mais le Señor. De mon âme, Señor. Para mí tú eres el Dios pour moi, Señor, que me ha amado Dieu con amor eterno. Qui m'a aimé avec un amour éternel. Para mí tú eres, pour Señor, moi, Señor, el camino que me guía le a la salvación. Qui va me vers le salut. Señor, para mí tú eres la puerta toi, por la que yo la entro y encuentro socorro, Señor. Oh Dios mío, para oh, mí tú eres Dieu, el descanso, le repos. Para mí tú eres la esperanza toi, de vida eterna, de Señor. Éternel, Señor. Para mí tú eres el abogado perfecto, moi, toi, Señor. Parfait, Señor. Para mí tú eres moi, el buen Señor, pastor, toi, Señor. Oh Dios mío, para mí tú eres Como ese Dieu, Padre toi, eterno que Père tanto éternel, necesitaba, Señor. On avait besoin. Por eso te adoro y te glorifico, te Señor. Glorifio, Señor. Por eso honro tu nombre, Señor. Ton nom, Señor. Por eso no hay mejor lugar que estar a tus pies, Señor. Que d'être à tes pieds. Je t'adore. Oh Señor, para mí tú eres Pour moi, Señor, toi tu es tout, Señor. Para mí tú eres el aire que necesito respirar. El agua que necesito beber, Señor. El pan que necesito comer, Señor. Oh maravilloso Dios. Que cada uno de nosotros seamos conscientes, Señor, de lo que tú eres para nosotros, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Oh, maravilloso, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Maravilloso Salvador. Gloria a ti. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Tu es là, agissant parmi nous.
t'adore, je t'adore, tu es là. Alléluia, alléluia. Transforme nos vies, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Gloire mon à toi, Dieu, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Aleluya, vamos a recolectar la ofrenda. Nosotros vamos a la ofrenda. Hermano John, es tan amable. Le frère John, es amable por amasar la ofrenda. Gloria al Señor y vamos a finalizar nuestra reunión. Notre réunion. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. La provisión viene de ti, Señor. Tú nos has dado la bendición material, Señor. El trabajo, las fuerzas, Señor. La oportunidad, Señor, de servirte a ti también con nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, les invitamos mañana. Nous vous invitons demain à notre école dominicale. L'école du dimanche. Et en medio de la escuela dominical, dans l'école du dimanche, nous allons voir notre assemblée. Notre assemblée extraordinaire. Extraordinaire. C'est une assemblée avec un unique thème. C'est une assemblée avec un seul thème, avec un seul point. Et c'est celle de la ampliation de la salle de réunion. De l'amplification de la salle de réunion. Mañana estamos todos invitados. On est tous invités. Todos invitados a este lugar. A cet endroit. Vamos a, como siempre, a comenzar a fois, nous allons commencer la hora precisa. À l'heure 10 horas 30. À 10h30. Amén. Y terminaremos en el mismo horario de la escuela dominical. Donc, on va finir dans la même heure avec l'assemblée. O sea que la dominical será un poco más corta. C'est-à-dire que le culte para demain va être un peu plus court. Luego nuestra reunión. Pour avoir notre réunion. El Señor Jesús les bendiga a todos. Buenas noches. Bonne nuit. Y aquí les esperamos mañana. Et nous vous attendons ici demain.